Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment installer le logiciel de la FNAC. Vous êtes prêts? À tout de suite. Donc nous voici dans Google, sur Internet. Donc dans Google, nous allons taper tout simplement FNAC logiciel photo. Voilà, logiciel atelier photo, c'est ce qui nous convient, donc je clique dessus. Et donc ici on a trois choix possibles. La version Windows, la version Mac, et la version Linux. Donc nous on travaille sur Windows, donc on va télécharger la version Windows. Donc je clique dessus. Là, il me demande de l'enregistrer, donc je vais venir ici enregistrer sous et je vais venir dans mon dossier téléchargement. Ici, je vais appuyer sur enregistrer et j'attends quelques instants. Donc une fois que c'est fait, je vais venir sur exécuter. Là, il me demande une autorisation, je vais dire oui. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de télécharger et installer plus tard. Donc là, on va faire suivant. Donc là, je vais faire j'accepte. Suivant. Donc ça. Alors, vous avez à peu près 5 minutes d'installation. Donc, je vous retrouve une fois que l'installation est terminé. À tout de suite. Donc l'installation est terminée et vous pouvez vous apercevoir que sur notre bureau nous avons une icône qui concerne le logiciel de la FNAC. Le voici. Donc pour lancer le logiciel, c'est très simple. Il suffit de faire un double clic dessus. On attend quelques instants. Voilà, le logiciel est en train de se lancer. Arrive. Là, il est en train de charger tous les modules et nous voici dans notre logiciel. Alors ici vous avez un petit message d'astuce. Moi je vous conseille de cocher ne plus afficher au prochain démarrage pardon et cliquer sur terminer. Je vous propose dans une prochaine leçon de voir toutes les options de ce logiciel. Je vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très prochainement. À très bientôt.